J'ai le plaisir, chers téléspectateurs, de recevoir aujourd'hui notre ami André Posokov, qui est un habitué de notre émission, car il décrypte méthodiquement les émissions de télévision consacrées à l'histoire. Et André, qui est un historien spécialisé sur la période de la Seconde Guerre mondiale, il a publié notamment aux éditions Synthèse Nationale « Retour sur le désastre de 1940 », responsabilités et prolongations. Eh bien, aujourd'hui, il va nous parler d'un sujet extrêmement sensible, puisqu'il s'agit de la situation des Juifs de France pendant la période d'occupation de 1940-1944. Sujet ô combien sensible, on le sait, qui a fait l'occasion de vifs débats, qui a conduit à une culpabilisation générale des Français, qui a conduit aux repentances officielles que l'on sait, mais qui a fait l'objet d'une émission dans laquelle intervenait d'ailleurs Serge Klarsfeld, bien connu de tous ceux qui se penchent sur cette question. Et cette émission a remis au point un certain nombre de choses et a détruit un certain nombre d'idées reçues. Ce qui fait qu'il a paru intéressant d'en rendre compte et de la commenter aujourd'hui. Alors, André Posokov, qu'en est-il d'abord de cette question, de ce sujet? On connaît les débats historiographiques qui sont intervenus à ce propos, notamment suite aux productions de l'historien américain Robert Paxton, contre lequel s'est dressé François Georges Dreyfus, oui. Historien également du régime de Vichy. Qu'en est-il d'abord des Juifs de France et des Juifs en France en 1940, au moment où le pays subit la défaite accablante que l'on sait? Eh bien, on peut dire qu'il y avait deux catégories de juifs. Mmh. Il y avait les juifs anciens, c'est-à-dire ceux installés en France depuis très longtemps, dans un certain nombre de régions. On peut citer Carpentras, on peut citer... l'Alsace en particulier, l'Alsace et la Lorraine. Pas extraordinairement nombreux. Mmh. Et puis, il y a eu des arrivées à partir de la fin du 19e siècle jusqu'en 1914, une trentaine de mille. Je crois que le roman Les Eaux Mêlées de Roger Icor décrit bien cette période de juifs russes, notamment, que l'on retrouvait dans le sentier. Et puis, des arrivées massives. Massif pour l'époque, s'entend, entre les deux guerres, de diverses origines, et pour un total d'environ 200 000. Mais il y a eu des naturalisations. Donc, en 1940, on peut estimer qu'il y avait 330 000 juifs en France, à peu près... 130 000 anciens juifs installés depuis longtemps en France. Et puis, il en était arrivé 200 000 et il y en avait été qui est naturalisé. Donc, on avait 195 000 naturalisés et 135 000 non naturalisés. 135 000 juifs étrangers, donc. Juifs étrangers, mais parmi les naturalisés, il y avait, parmi les juifs français, avec un passeport français, il y avait une soixantaine de mille qui avaient été naturalisés entre les deux guerres. Mmh. Et ceux-là, d'ailleurs, ont constitué un enjeu considérable en 1943, lorsque les Allemands ont demandé la dénaturalisation pour les déporter, ce qu'a refusé de signer le maréchal Pétain, ce qu'a refusé le gouvernement, encore qu'il ait longtemps hésité, mais il n'y a pas eu cette signature, et par conséquent, ces Israélites-là n'ont pas été dénaturalisés. Donc la proportion est plutôt, effectivement, 195 000 contre 135 000 pour un total de 330 000. Il y a un historien, Bernard Plouvier, qui soutient qu'en 1940, il y avait en fait plus de 400 000 juifs en France, parce qu'il y a eu beaucoup d'arrivées de juifs à ce moment-là, et que les Allemands repoussaient beaucoup de juifs d'Europe orientale. Orientale ou centrale, Et
et également environ 7000 juifs purement allemands qu'ils ont refoulés et qui, du pays de Bade en particulier, de la Rhénanie, et qui ont été refoulés en France, et en zone non occupée, en zone libre. Donc voilà quelle est la situation pas de la communauté, mais de l'ensemble des juifs. Il y avait beaucoup de juifs polonais, souvent, et de juifs d'Europe orientale, souvent marqués politiquement. Pas toujours, mais souvent marqués politiquement. Il y avait aussi beaucoup d'Allemands, pas simplement des juifs allemands, mais il y avait 70 000 Allemands qui s'étaient réfugiés en France, dont une quarantaine de mille de juifs allemands. Il faut bien voir une chose qui a été importante, c'est que lorsque tous ces juifs d'Europe orientale sont arrivés entre les deux guerres, cela a provoqué des réactions parfois négatives de la part des anciens juifs français qui avaient redouté une poussée d'antisémitisme. Il n'y avait pas d'antisémitisme en France dans les années 20, et notamment à cause de la participation des juifs de cette époque à la guerre de 14, contrairement à l'Allemagne, où l'antisémitisme s'est fondé sur cette non-participation. En France, il n'y a pas eu de problème. Je rappelle qu'au PSF, qui est classé qui est catégorisé comme étant un parti fasciste, du colonel Delaroque... Parti social français. Le colonel Delaroque, parti social français, refusait tout antisémitisme, et lorsqu'il y avait des cérémonies de souvenir des morts, il y avait des prêtres catholiques, des pasteurs protestants et des rabbins. Et il n'y avait pas d'antisémitisme dans les années 20. En revanche, dans les années 30, il y a eu une poussée extrêmement nette d'antisémitisme, car on a vu arriver une quantité importante. Mais cette défiance était partagée par les juifs français. Les juifs assimilés depuis longtemps. Il y a eu une coupure. Il y avait une coupure. D'ailleurs, cette coupure était bien, bien ressentie. Oui. Il faut voir que l'antisémitisme dont on parle est classé comme d'extrême droite, notamment dans l'émission. Mais elle n'est pas simplement d'extrême droite. Elle est, et d'ailleurs c'est très clair dans le livre de Pierre-Georges Dreyfus, elle était partagée par la gauche. Il y a des citations que j'ai ici, à la SFIO, c'était des cris d'antisémites en disant « nous en avons assez des ghettos, nous en avons assez d'Israël, ce n'est pas eux qui doivent gouverner le parti ». Et cela se retombait sur Léon Blum. Donc cet antisémitisme était largement partagé, effectivement, en position de force intellectuellement parlant, dans les années 30. C'est à cela, alors, qu'a répondu la politique, mais ce n'est pas notre sujet, mais la politique, mais il faut le savoir, la politique de Vichy, qui est un antisémitisme d'État, et qui avait pour but, non pas une extermination, contrairement à ce qu'on croit, non pas une participation à la Shoah, ce qui, vraiment, on peut classer comme étant faux, mais on voulait que le monde juif ne prenne pas une position qui soit particulièrement prédominante en France. Dans certains secteurs, voilà. D'où les lois de 1940 et 41, les décrets de 40 et 41. Oui, ce sont des lois ou des ordonnances, puisque ce n'était pas voté par un Parlement, qui donnait trois statuts aux Juifs. Et je dois dire que... cela a eu des conséquences dans les mécomptes juifs pendant l'occupation, car on leur retirait les moyens d'existence, donc ceux qui avaient de l'argent l'avaient. Encore que les Allemands avaient demandé qu'on leur retire ce qu'ils avaient, au point personnel. Mais ils ne pouvaient plus exercer de profession commerciale et industrielle. Donc beaucoup se sont retrouvés sans moyens d'existence, d'où une grande vulnérabilité. Je crois que, et à titre personnel, je voudrais le souligner, lorsque, en 1942, il y a eu la rafle du Veldiv, la grande argumentation, le grand mobile, autre, la souveraineté, c'était... Alors, c'est très discuté, mais pour protéger les Juifs français, on sacrifie les Juifs étrangers. Au début, en 1942. Mais lors de ces ordonnances, lors de ces lois, il y en a eu trois vagues, on n'a pas distingué juifs français et juifs étrangers. Et là, je crois que ça a posé un très grand problème à des gens qui se considéraient comme français depuis très longtemps. Notamment le renvoi des décorations
des anciens combattants juifs de 14. On peut citer le cas d'un parlementaire, avocat, Pierre Masse, qui d'ailleurs est mort dans les camps, et qui a écrit au maréchal Pétain, je crois que c'est cité par Pierre-Georges Dreyfus. François-Georges Dreyfus. François-Georges, pardon, ouais. Excusez-moi. Excusez-moi. Qui a écrit une lettre très, très, très circonstanciée où il citait tous ceux dans sa famille qui étaient morts pour la France. Mmh. Pierre Dac aussi avait écrit la même chose, avec un ton un peu plus virulent et ironique, mais il y avait une réalité. Il y avait une réalité. Il faut dire aussi qu'à cette époque, toutes ces lois, toute cette... on ne peut pas employer le terme de persécution, mais cette mise à l'écart qui s'accompagnait parfois d'internement pour les Juifs étrangers dans des conditions horribles. Donc il y a eu, si vous voulez, cette confusion de toute la population juive, juif français et juif étranger. Et cela, évidemment, a eu des conséquences graves. Et puis, il y a eu les camps d'internement, où même certains sont morts, qui étaient dans des conditions horribles, et ils étaient hérités de la Troisième République. Hein, parce que ce n'est pas le gouvernement régime de Vichy, du Maréchal, c'était ces camps d'internement. Il y avait beaucoup d'étrangers en France. On avait déjà retrouvé les républicains espagnols. Il y avait des Allemands, il y avait des Autrichiens, et on était en guerre quand même. De plus, il y avait un certain nombre d'immigrés qui avaient des activités politiques et on était là aussi dans des conditions de guerre ou de pré-guerre qui aboutissaient à leur internement par précaution. Mais ça a été dans des conditions horribles. Horribles. Et d'ailleurs, la protection de la population juive qui était internée a commencé par sauver les enfants tout à fait dès 41. Avec l'œuvre de secours de l'enfance, l'OSE, qui, avec Vivette Samuel, cela est décrit dans le documentaire, et qui a cherché à retirer des enfants dès 41 dans ces camps, ça veut dire arracher les enfants aux mères pour les sauver. Oui. Et c'est ainsi que, par exemple, dans le camp de Rivesaltes, ces gens vivaient dans des conditions épouvantables. À fin de 41, l'action de cette organisation juive de l'OSE, il n'y avait plus d'enfants juifs à Rivesaltes. Ça, c'est la première action. Donc, voilà pour la présentation du monde juif, divisé, nombreux. Et qui a fait l'objet effectivement d'une mise à l'écart et d'un traitement législatif d'ostracisation, c'est très clair. Dans le documentaire, on commence par citer, je crois qu'il faut les citer pour bien poser la question, le chiffre des pertes. Bon, c'est un point important. Dans le documentaire, on dit bien qu'en Pologne, 90% des Juifs ont disparu. En Lituanie, 96%. Pays-Bas, quand même un pays proche, 75%. En France, les chiffres ont été profondément différents. Les Juifs français, le coefficient de survie des Juifs français est autour de 90%. Concernant les Juifs étrangers, 60%. Au total, tout confondu, 25% des Juifs français ont disparu, 75 à 80 000, disons 80 000, par rapport à la population de 330 000. Mais concernant les Juifs français, il y a 10%, l'auteur de ce livre, Vichy et la Shoah d'Alain Michel, dit même un peu moins. C'est quand même quelque chose, un taux absolument exceptionnel. Il faut le dire, c'est un taux tout à fait extraordinaire, puisque là, quand même, l'occupation a duré 4 ans. Et au bout de ces 4 ans, la France, alors si on met à part le Danemark, qui est un cas très particulier, et peut-être la Bulgarie, mais la Bulgarie était un pays indépendant par rapport aux Allemands, ce qui a été le résultat de la chasse aux Israélites en France a donné un résultat chiffré quand même extraordinaire.
Eh bien, c'est ce que Paxton refuse. Et très clairement, il refuse ce chiffre, cette comptabilité, c'est une comptabilité certes macabre, ce qui recouvre quand même des situations terribles. Ce Paxton conteste et le principe même de faire cette comptabilité. C'est une des critiques que l'on adresse à Paxton. De plus, il faut ajouter autre chose. C'est qu'en Afrique du Nord, il y avait 200 000 à 300 000 juifs. Maroc, Tunisie, Algérie. Oui. Et à part quelques-uns qui ont été enlevés par les Allemands, déportés par les Allemands en Tunisie en 1942-1943, ils ont été indemnes. S'il y avait eu une capitulation, l'Afrique du Nord aurait pu être occupée. S'il y avait eu une capitulation en juin 1940. En juin 1940. Ils ont été indemnes. Est-ce qu'il ne faut pas les compter dans ce, dans cette comptabilité ? Dans ceux qui ont échappé, oui. C'est terrible, comme ils ont échappé. Donc, je crois qu'il faut retenir cela. Concernant Paxton, il y a une chose que je voudrais dire, c'est que Paxton s'est très tôt intéressé à cette période en France. Et le premier livre qu'il a écrit, en milieu des années 60, c'est sur l'armée d'armistice, l'armée française. Je vais peut-être vous étonner, je l'ai lu. Je l'ai lu il y a quelques mois. C'est un très bon livre, très bon. Qui est même, je dirais, indulgent, compréhensif, pas malveillant. Il expose un certain nombre de choses sur l'armée d'armistice, pas tellement sur l'armée d'Afrique, à mon avis, à tort, puisque l'armée française en acquis grâce à l'armée d'Afrique. Mais il montre dans ce livre une grande compréhension de non seulement de l'armée, de l'armistice, des officiers, de leurs sentiments, mais aussi à la limite indirectement du gouvernement de l'époque. Bon. En 1972, traduit en 1973, il a écrit le livre sur Vichy, mais pas sur la Shoah, le livre sur Vichy. Et je constate, alors ça a été suivi d'une réédition en 1997, si je ne me trompe pas, et en 1981, il y a eu le livre sur, sur la Shoah, qui est extrêmement virulent, qui a constitué en quelque sorte un retournement sur lequel se sont embranchés, se sont coulés tous les historiens dans les années 80 sur la Shoah et au détriment de la France. C'est donc le livre de le livre c'est la France de Vichy et Vichy et les Juifs 1981 avec une réédition en 2015. Bon. Eh bien, en même temps, il faut signaler évidemment le chagrin et la pitié de le film de film qui a été très critiqué. Puisqu'il voulait que ça soit passé à la télévision et qu'à l'ORTF s'y opposait notamment Simone Veil, qui a émis des commentaires cinglants à ce sujet. Or, Clermont-Ferrand a été, sinon certainement pas la capitale de la résistance, mais une ville importante de la résistance, puisqu'elle était la capitale du Massif central. Et la tonalité, c'était les France, la France, les Français ont été avachis, ont été très neutres, n'ont pas bougé, il y a eu la collaboration. C'était quand même très hostile à la France. Et je rapproche ça du livre de l'historien Bozo sur la politique étrangère dans la France. Et il rappelle qu'en 1960, dans les années 60, les États-Unis avaient d'autres soucis et c'était un peu... avaient un peu négligé leur tutelle sur l'Europe, à cause certainement de Gaulle, et surtout à cause de la guerre du Vietnam. Et 1973, Kissinger, qui était le ministre des Affaires étrangères, le secrétaire d'État du département d'État, a dit que ce sera l'année européenne. Et à partir de ce moment-là, il y a une reprise en main. Alors, je ne dis pas, pour ne pas tomber dans le fameux complotisme, que l'un a entraîné l'autre, je dis simplement que ça a été concomitant. Et cette politique américaine à l'égard de l'Europe occidentale, de cette reprise en main, a été accompagnée, volontairement ou involontairement, de à la fois ce film et du livre de Paxton. Et je crois que ça a été extrêmement important. Et alors, on aboutit à une mise en cause de la France.
Et c'est ainsi que l'on retrouve cette mise en, non pas simplement du régime de Vichy, mais la mise en cause de la France toute seule, enfin, en tant que telle. Et c'est cela qui est le sujet de notre émission. C'est que c'est extrêmement contestable. Alors, je voudrais citer des passages de discours, je le ferai rapidement, d'Emmanuel Macron en 2017, disant le discours du président de la République française sur la, à l'occasion de la commémoration de la rafle du Veldiv. Alors oui, je le redis ici, c'est bien la France qui organisa la rafle puis la démortation. Et donc, pour presque tous, la mort de 13 000 personnes. Ce n'est pas la France qui a organisé ça. C'est les Allemands. Or, les Allemands avaient autorité sur l'administration française en zone nord. Ils avaient autorité par la Convention de la Haye et par les stipulations de l'armistice. Mais ce que l'on reproche évidemment à la France à l'époque, c'est que ce soit la police française qui a effectivement réalisé la rafle. C'est du moins l'argument de ceux qui veulent mettre en cause justement la France sur cette affaire. Alors, il y a deux choses qu'il faut citer, parce que cela c'est le vif du sujet. Il y avait eu des rafles en 41, trois rafles. Mmh. Et en début de 42, donc il s'est passé deux ans, il y a eu deux convois de déportation avec des Juifs français. Mmh. Et à ce moment-là, Daneker, qui était le responsable de toutes ces opérations à l'époque parmi les Allemands, avait exigé 100 000, bon, ce qui a été abandonné par les Allemands eux-mêmes, puis 40 000 déportés. Et on a abouti à l'idée que les Juifs français, c'est le gouvernement, c'est Bousquet qui a négocié ça, seraient épargnés, mais que l'on livrerait les Juifs étrangers à hauteur de 40 000. Et c'est pour ça qu'il y a eu la rafle du Veldiv. Mais il y a quand même une chose qu'il faut souligner, que souligne très bien Alain Michel dans son livre. C'est que la Convention de la Haye, a des stipulations concernant les pays occupés. Mmh. Et de plus, la Convention d'armistice stipulait bien que dans la zone occupée, l'administration française était aux ordres des Allemands. Et d'ailleurs, il y a eu des lois allemandes qui sont sorties et qui ont été émises par l'autorité allemande. Donc, la conséquence de cela, c'est que la police, les autorités administratives et policières de la zone 1 étaient, en application de ces règles, aux ordres des Allemands. Évidemment, lorsqu'il y a eu l'armistice, on n'y pensait pas. Et il y a eu cette extension. On ne pouvait pas y déroger. Ce qui s'est passé au moment de la rafle du Veldiv, c'est que il y avait à peu près 27 000 fiches. Donc il y avait 27 000 personnes qui devaient être arrêtées, oui. Envoyées dans des camps comme Drancy, Bonne-la-Rolande, etc., et déportées. Et en fait, les policiers ont arrêté la moitié, à peu près, hein, ouais, environ 13 000. Pourquoi ? Bien, l'explication est donnée dans le documentaire. Beaucoup, le bruit s'est ébruité, et beaucoup de policiers, pas tous évidemment, c'est d'ailleurs un problème concernant la police, hein, sur les documentaires sur la police, beaucoup de policiers ont fermé les yeux. Et Klarsfeld, dans le documentaire, le souligne, cela. Il le souligne en disant, à l'époque, la discipline dans les institutions, dans les administrations françaises, était autre chose que ce qu'elle est maintenant. Et beaucoup ont dérogé à cette discipline. Alors, il y a eu deux documentaires sur la police, mais c'est une parenthèse. Un documentaire sur la police qui avait collaboré, qui est accablant, et un autre documentaire sur la police qui a résisté, qui est quand même très intéressant. Et effectivement, les deux sont en contradiction. Mmh. Mais voilà l'explication de ce qui s'est passé. Par contre, c'est absolument, les conséquences ont été importantes, il faut les souligner.
Lorsque, dans la Convention, il fallait remettre un certain nombre de juifs étrangers. Et c'est Bousquet qui a proposé de livrer des juifs étrangers, dont d'ailleurs certains étaient allemands et installés en zone libre, de les livrer à hauteur d'une environ une dizaine de milliers. Et là, il a fallu rafler des juifs dans le cadre de cet accord. Et c'est ce qui est reproché. Qu'est-ce qui s'est passé ? En zone libre, les conditions d'arrestation par la police et la gendarmerie ont été d'une grande brutalité. De plus, on enfournait tous ces malheureux, séparait les enfants des familles. Ce qui donnait en zone libre, donc là, et nous sommes à l'été 42. Là. Été 42. Mmh. Je suis pas là. La Veldiv a eu lieu en juillet 42. Juillet, oui. Et cette rafle et livraison de juifs étrangers, ça a été en août 42. Et les scènes ont été telles que la population a protesté. Et deuxièmement, il y a eu donc il y a eu un retournement dans l'opinion qui jusque-là avait été assez indifférente hein, au mécompte des Juifs. Mais vraiment très fort. Et deuxièmement, l'Église, voilà. Monseigneur Saliège à Toulouse, Monseigneur Théas à Montauban, et Monseigneur et le cardinal Gerlier qui était un pétainiste à Lyon ont protesté. Monseigneur Saliège a fait lire une lettre dans les chaires alors que ça avait été interdit. Et cela a pesé sur le gouvernement de Vichy. Il y a une autre chose que signale Alain Michel dans son livre, Vichy et la Shoah, c'est que Pierre Laval a fini par poser la question, mais tous ces juifs que vous embarquez, qu'est-ce que vous en faites ? La réponse était, nous allons créer une colonie juive dans l'est de la Pologne. Mmh. Et bon, il a accepté au début cette explication, étant donné les conditions d'embarquement, c'était quand même un peu léger. Mais au bout d'un moment, Alain Michel indique que Pierre Laval a compris que les choses se passaient tout à fait différemment. Mmh. Et que cela jouait sur une prise de position de Laval que je ne défends pas, que je n'attaque pas, ce n'est pas le sujet. En septembre 1942, où il a dit aux Allemands, il était prévu que je vous livre 50 000 juifs de plus, vous ne les aurez pas, parce qu'on ne livre pas des juifs comme on achète des marchandises dans un prix unique. Mmh. Et à partir de cette date-là, les déportations ont beaucoup baissé. Il y a eu 41 ou 42 000 déportations en 1942, mmh. c'est le pic. Oui. Et on a eu 17 000 en 43 et 17 000 en 44. Et à partir de ce moment-là, la police a beaucoup moins collaboré. Alors, il y a eu toujours les fanatiques, ceux qui ont fait du zèle, mais il y en a aussi beaucoup qui ont aidé. Et donc, ça fait partie, si vous voulez, de cette défense de la France, parce que, contrairement à ce que dit Paxton, il n'y avait pas 40 000 demi-vieillards qui occupaient la France. Hein, Pierre Laborie, un historien connu sur l'opinion française, a bien clairement expliqué qu'il y avait des centaines, il y a eu selon les périodes et selon les avatars des fronts, mais il y a eu jusqu'à 1 million en 44 d'Allemands, de troupes allemandes en France. Et je rappelle que lorsqu'il a fallu lutter contre les maquis, la Das Reich était des SS, bon, ils se sont livrés aux exactions que l'on connaît en Corrèze et en Haute-Vienne, mais dans le Massif central, c'est la colonne Gesser, hein, c'était des unités spécialisées de la Wehrmacht, et la même chose dans l'Ain, ce n'était pas des SS. Mm-hmm. Voilà. Donc, je voudrais aussi, pour moi c'est important, citer le discours du Premier ministre Philippe en 2018. Durant ces jours sombres, la France a trahi. Elle a trahi ses citoyens, trahi ceux qui croyaient en sa protection et qui pensaient y trouver refuge. En les trahissant, la France est abîmée. Elle s'est perdue dans les 74 trains qui partiront de son sol pour Auschwitz. Elle s'est perdue en imposant le port de l'étoile jaune, ce qui est faux. Faux. Ce sont les Allemands qui l'ont imposé uniquement en zone nord. Donc c'est la France. Et c'est là que le documentaire montre qu'il n'y a pas la France
n'a pas de responsabilité directe en tant que tel. Il y a eu un gouvernement, d'ailleurs, dans ses propos, on légitime, au fond, l'existence du gouvernement de Vichy, contrairement à tout ce qu'a toujours prononcé, toujours dit, le général de Gaulle et François Mitterrand, qui faisaient la différence entre le régime de Vichy, enfin, le gouvernement de Vichy, hein, et, ou le gouvernement du maréchal Pétain, et la France. Alors, sur quoi se fonder pour défendre la France ? Ou d'abord, l'existence de la zone libre. Elle a protégé beaucoup. Hein, pendant 2 ans, les Israélites qui étaient en zone libre, et ceux qui n'étaient pas dans des camps d'internement. Mais dans un livre sur Pierre Pucheux, on montre que Pucheux, qui a été ministre de l'Intérieur jusqu'en 1942, a vidé ces camps qui après ont été remplis par les Allemands pour les déportations. Le sauvetage des Juifs a été au départ donc initié par les associations juives, l'OSE et les éclaireurs israélites. Lorsque l'on a vu que les persécutions allemandes commençaient, beaucoup de juifs, et notamment, ces associations sont occupées des enfants juifs, et les ont placés dans des maisons, dans des zones protégées. Et c'est là que l'on cite en particulier la ville de Moissac, où il y a beaucoup de juifs qui se sont des enfants juifs. Il y a des témoignages dans le documentaire où l'un des témoins disait « Moi, j'ai été très heureux ». Mais il y a eu d'autres endroits aussi qui ont permis de constituer des noyaux où les enfants juifs étaient scolarisés. Je rappelle que Cohn-Bendit est né à Montauban. C'est le cas de la fameuse maison des enfants d'Izieux, dans l'Ain, enfin, également. C'est le cas, mais Izieux, c'était, je crois, en Isère. Hein. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est qu'on a essayé de créer des pôles, des maisons où l'on pouvait... Izieux, ça a été, je crois, un peu après. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore d'Allemands en zone libre. En zone libre, oui. Cette organisation permettait en zone libre de sauver beaucoup d'enfants. Qu'est-ce qui s'est passé ce qu'il faut signaler, c'est que, par exemple, à Moissac, il n'y a jamais eu de dénonciation. Il n'y avait pas de dénonciation. C'est une idée reçue, alors peut-être ailleurs, sur d'autres sujets. Mais concernant le juif, le documentaire insiste, et Jacques Semelin, qui est le maître d'œuvre de ce documentaire, insiste. Il n'y a pas eu dénonciation. La population s'est tue. Et Clarsed le dit dans le documentaire. La France a été le seul pays qui a réagi. Et il félicite les citoyens français de cette époque de n'avoir pas parlé, de n'avoir pas dénoncé, à une époque où quand même les Français eux-mêmes vivaient un calvaire. Et puis, la dernière période a été lorsque les Allemands sont arrivés en zone libre, en novembre 1942, à la suite du débarquement en Afrique du Nord. Donc, ils sont arrivés. Et les organisations juives ont compris que le danger approchait. D'où la fuite de nombreux juifs, c'est très bien marqué dans le documentaire, hein, les familles se sont éparpillées, beaucoup se sont réfugiés à la campagne, ont été accueillis, beaucoup d'enfants ont été accueillis parce qu'il y avait une tradition de ce qu'on appelle la DDAS, vous savez, concernant les enfants orphelins, l'assistance publique, donc c'était parfois payant, mais c'était aussi très bénévole. Et ces gens-là, c'est ruraux, et là aussi, Clarsfeld dit, les ruraux, la population rurale a été extrêmement réceptive. Et il y a des exemples, par exemple, dans le Lot, hein, dans mon département, à Bretenoux. Et puis Chambon-sur-Lignon. Alors, il y a aussi... nous avons parlé des catholiques. Il faut évidemment parler des protestants, parce qu'à Chambon-sur-Lignon, c'était le pasteur Trocmé. C'est un pasteur protestant. Et c'était massif. Et puis Chambon-sur-Lignon est d'accès difficile. Oui. C'est quand même le fin fond du Massif central. Et il n'y a pas eu de dégâts de ce côté-là. Mais ça a eu lieu, cette
Au fond, cette prise de maquis, pas une, vraiment une prise de maquis, mais cette fuite dans les petites communes a été assez générale. Mm-hmm. Pas toujours. Jacques Sellin, je crois que c'est lui, cite le dit, mais en 1944, il y avait 60 000 juifs qui circulaient avec l'étoile à Paris, qui n'ont jamais été inquiétés. Il y a des questions sans réponse. 60 000 oui, encore J'ai vu ce chiffre. Mm-hmm. Et il dit également que les enfants, d'une manière générale, ont été scolarisés. Ils prenaient des faux noms. Il fallait apprendre les faux noms. Ouais. Ce n'était pas évident pour un gamin de 6 ans. Mm-hmm. Et là, il y a des témoignages dans le documentaire extraordinaire de ce côté-là. Mm-hmm. Alors, il n'est pas temps, et d'ailleurs ce n'est pas le sujet, de dire quels sont les fautes de Vichy, quel est le crime, etc. Il s'agit de la France. Et les témoignages de ce documentaire sont importants pour bien montrer que la France, dans cette affaire, c'est ce que dit Klarsfeld en conclusion, a été les Français, et c'est vrai en 43-44, c'était beaucoup moins vrai en 40-41, ont été fidèles à leur tradition d'hospitalité, et qu'il y a des choses qu'ils n'ont pas acceptées. Un moment même où la haine envers l'occupant était montée de toute force, un moment même où la légitimité de Vichy s'effondrait, notamment à cause du STO. Oui, en 1943. En 1942, ça avait commencé. Et en 1943, 600 000 déportés, puis plusieurs dizaines de milliers morts en Allemagne sous les bombardements. Vous parlez des travailleurs du STO, là. Oui, les travailleurs du STO. Et là, la police et la gendarmerie ont joué des rôles de traque au profit de cette mise en esclavage de Français en Allemagne. Mm-hmm. Concernant donc les Juifs et concernant cette défense de la France à l'égard de cette période, je pense que Édouard Philippe a eu tort. Qu'il s'est trompé, que c'est un ignorant, qu'il a beaucoup trahi la réputation de la France de manière délibérée, pour des raisons diverses et variées, et que ce documentaire permet de rétablir la vérité, elle est tellement multiple, elle est tellement brouillée, elle est tellement difficile, mais d'éviter, au fond, une erreur médiatique qui dure depuis 40 ans. Hein, et qui provient de Paxton. Oui. Je crois que le travail de Sellin, de Jacques Sellin, ce que dit Cathy Azan aussi, et le travail d'Alain Michel, qui date de 2011, sont des apports importants pour équilibrer peut-être la réalité de ce qui s'est passé, qui parfois a été, et qui a été horrible, et qui parfois a suscité, et souvent suscité, la colère et le ressentiment de beaucoup de Juifs. Et il faut rappeler aussi que, voyant les choses depuis Israël, en France, on a accordé le titre de juste à de nombreux Français. Alors, ce qui est un signe également révélateur. Il y a 4 000 justes. Je crois me souvenir qu'il y a dans le monde une 20 000 à 30 000 justes qui sont inscrits en Israël. Et le documentaire dit clairement et même Klarsfeld le dit, en fait, les Français ont été des justes. Il y a eu beaucoup de justes qui ne sont pas été désignés comme justes parce qu'ils ne sont pas allés, on ne les a pas désignés. Et puis parce qu'il y a eu, comme pour la résistance, des gens qui n'ont pas été résistants, comme il y a des gens qui n'ont pas aidé, qui n'ont pas sauvé, mais qui ont donné un petit coup favorable, qui ont salué des gens qui portaient l'étoile jaune, gens qui, des maires, des conseillers municipaux qui faisaient des faux papiers, et qu'il y a eu énormément de gens qui l'ont fait. Alors cela ne cache pas non plus qu'il y a eu des policiers mangeurs de juifs, cela ne cache pas que la milice a aidé, la traque de Aloïse Brunner à Nice, où est tombée d'ailleurs la famille de Simone Veil, mais c'est le jugement que porte Serge Klarsfeld et que portent les historiens, Jacques Sellin, concernant les Français en général et la France dans une période terrible. Moi, personnellement, je crois que la faute de la France, c'est d'avoir été vaincue. Ah oui, et que la véritable responsabilité, c'est ceux qui, avant 1939,
gouvernait la France, c'est-à-dire la gauche, et qui a amené ce désastre, qui ont placé des millions de Français dans des situations impossibles et souvent mortelles. Et alors, quel était le titre de l'émission? Est-ce qu'il est possible de la retrouver? Cette émission dont vous nous avez parlé. Une seconde, je vais vous dire ça. C'est sur RMC Découverte, c'est le sauvetage des Juifs. Cette émission était du 10 janvier 2021. Les auteurs, j'ai pas pris note de tous ceux qui sont inscrits, vous savez. Qui sont intervenus, oui. Elisabeth Bonnet-Katz et Cécile Lévy. Bon. C'est pour moi un tournant dans l'opinion que l'on a sur la France et la Shoah. Donc sur TMC. C'était sur RMC Découverte. RMC, pardon. RMC Découverte. RMC. Alors, finalement, pour revenir au bilan final, alors vous allez me dire si les chiffres que j'avance sont les bons. On a eu à peu près 75 000 Juifs. On a eu 75 à 80 000. 75 à 80 000 qui ont été déportés. Et là-dessus, sur ce chiffre-là, quel est le volume des pertes au final? Pratiquement 100%. Il en est... Alors, disons 95%, il en est revenu quelques-uns quand même, et quelques-unes. Il y a des vidéos là-dessus, mais on peut dire que pratiquement l'essentiel de ce qui est la partie principale de ce qui a été déporté, de ceux qui ont été déportés, ils sont restés. Il existe une controverse là-dessus. En disant ceux qui ont été sauvés ne sont pas toujours signalés, certains sont partis en Israël, d'autres aux États-Unis. Oui, voilà, etc. C'est ça, il y a certains partis en Israël. Oui. Je crois que cette controverse, elle existe, puisque Simone Veil est revenue. Elle a eu de la chance. Mais bien sûr. Et il y a des documentaires sur des personnes qui ont survécu. Oui, bien sûr. Bon. Bien sûr, il y a des témoins qui sont revenus. Mais le chiffre par rapport à tous ceux qui ont été déportés. C'est de l'ordre entre 90 et 100%, je pense. De disparus. Ah oui, oui, oui. Bon. Mais je sais qu'il y a une controverse là-dessus. Oui. C'est un chiffre qui est beaucoup plus dur que ceux qui ont été déportés pour actes de résistance ou pour faits politiques. Oui. Mais les chiffres de ceux qui ont été déportés pour résistance ou faits politiques sont énormes, étant donné les conditions des camps. Mais et le volume des déportations pour résistance, c'est de l'ordre de 600 000. Je crois que c'est à peu près du même ordre, mais j'ai pas le chiffre. C'est très important, mais il en est revenu quand même beaucoup plus. Ah bah oui, bien sûr. Puisque le but n'était pas de les exterminer. Là, c'est le but était une extermination. Mais je crois que ce qu'il faut retenir, et le documentaire incite là-dessus, c'est le documentaire n'est pas le premier à l'avoir signalé, ce chiffre-là. D'ailleurs, Klarsfeld en avait parlé très tôt. Le livre d'Alain Michel est quand même très explicite. Il y a tableau et tableau, chiffre et chiffre. Oui. Mais il y a eu un heurt avec Paxton. Paxton, lors du procès de Papon, a déclaré ce chiffrage ne m'intéresse pas, ce n'est pas le sujet, c'est hors sujet. Bien si, c'est un sujet, c'est pas le seul, mais c'est quand même un sujet. C'est comme le nombre de soldats allemands en France. Bien sûr que si, parce qu'on dit les Français n'ont pas bougé. Ah oui, et lorsqu'ils bougeaient, qu'est-ce qui arrivait? C'était des civils, on l'a bien vu, lors de la manifestation du 11 novembre 40, où notre ami Pertusio, à laquelle notre ami Pertusio avait participé. La chose a été vite réglée. Les troupes ont débarqué, armées, sur les Champs-Élysées. Et toutes les répressions qui ont eu lieu partout. Bien sûr, oui. Avec les exécutions d'otages éventuelles. En cas d'action de résistance. On le voit notamment l'affaire du camp de Chateaubriand, l'exécution du général commandant à Nantes en 1941. Oui, c'est la stratégie communiste en 1941 a abouti à des exécutions d'otages, dont des juifs.
Car en 41, il y a eu des exécutions, les Juifs qui avaient été arrêtés et les autres qui avaient été arrêtés ont puisé dedans comme dans un vivier. Et certains ont été exécutés à cause de ces attentats qu'a désavoué. Alors là, autant sur le sujet, c'est extrêmement, ce que nous venons d'aborder est quand même extrêmement délicat, autant là, les choses sont claires. Ces exécutions ont été condamnées par le général de Gaulle à la radio de Londres et par Henri Freinet aussi. Et la population française ne les a pas approuvées. C'est un point tel, et c'est dans le livre de Liègre et de Berlière, c'est un point tel qu'ils ont eu du mal à trouver des Français, des Français natifs, pour appliquer pour ces meurtres, qu'ils n'étaient pas du tout enthousiastes pour le faire, et ils sont tournés vers la main-d'œuvre immigrée étrangère pour le faire. Oui, effectivement. Mais merci infiniment, André Posokhov, pour tous ces éclairages ô combien précieux sur cette période compliquée, difficile de notre histoire et à propos de laquelle, encore une fois, bon nombre d'idées reçues subsistent encore aujourd'hui. J'ai peur qu'elles subsistent longtemps, mais je crois que ce documentaire peut jouer un rôle utile pour éviter que la France soit souillée par ses gouvernants eux-mêmes. Merci. Chers téléspectateurs, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Bernard Zeller, qui est déjà venu à notre émission à plusieurs reprises, car il vient de publier un ouvrage fort intéressant, Le procès du commandant Denoy de Saint-Marc, procès qui faisait suite, vous vous en souvenez bien sûr, au putsch d'avril 1961 à Alger, dont nous avons commémoré le 60e anniversaire en avril dernier. Donc nous allons revenir sur cet événement et puis surtout sur la figure ô combien exemplaire du commandant Denoy de Saint-Marc, qui commandait alors le 1er régiment étranger de parachutistes et qui a mis son unité à la disposition des généraux Salan, Challes, Zeller et Jouhaud, les fameux quatre généraux, le fameux carteron du général de Gaulle, quand ils ont décidé de s'engager en espérant obtenir le maintien de l'Algérie française. Nous allons revenir sur cette question au cours de notre émission. Mais d'abord, quelques mots concernant le personnage central de votre ouvrage, à savoir le commandant Denoy de Saint-Marc, qui est une figure tout à fait exceptionnelle pour le parcours qui a été le sien, l'engagement qui a été le sien, la fidélité qu'il a manifestée aux promesses qu'il avait faites, comme beaucoup d'autres autres officiers, de maintenir l'Algérie française. Alors, qui était le commandant Denoy de Saint-Marc et quel avait été son parcours jusqu'aux événements d'avril 61? Alors, Élie Denoy de Saint-Marc est né en 1922, à Bordeaux, dans une famille, je crois que le père était avocat. C'est le dernier enfant de ses parents. Bon, il fait des études lambda, je dirais, jusqu'à la guerre qui arrive en 1939, donc il a 17 ans. Et quand la France est occupée après le désastre de juin 40, très vite, il a un esprit de résistance, très très vite. Et comme ses parents ont une propriété pas loin de la ligne de démarcation, il commence par faciliter le passage de la liste de démarcation. Il est ensuite il entre dans un réseau, Jeanne Amicole, et donc réseau de renseignement et également de passage encore. Il est quand il a ses 20 ans, il désire aller se battre. Il a l'esprit militaire et il désire aller se battre donc en Afrique du Nord et donc passer par Espagne. Et c'est en voulant passer par Espagne qu'il se fait arrêter avec d'autres camarades
emprisonné et ensuite déporté à Buchenwald. Et de là, un sous-camp, camp de, comment ça s'appelle, Langenstein, qui est un camp extrêmement difficile, extrêmement dur, avec du travail physique absolument épuisant dans des conditions Des travaux forcés, donc. Ah oui, oui, abominable. Mmh. Abominable. Donc, il tient quand même le coup, mais quand la libération des camps arrive, il est dans un état physique absolument catastrophique. Et un élément qui montre dans quel état il était, c'est qu'il ne se souvient même plus de son nom. Il faut voir donc dans quel état il est. Et physiquement, évidemment, il pèse 45 kilos. 40 kilos, oui. Bon, il fait un séjour pour se remettre, hein, bien entendu, dans un hôpital. Et sa vocation. Il avait préparé Ginette, j'ai oublié de dire ça tout à l'heure, et en 41. Mm-hmm. Hein, préparé Cire à Ginette, Cire, excusez-moi. Ginette, oui. Et un de ses camarades, Morin, avait été reçu. Lui n'avait pas été reçu. Et donc il reprend cette filière, mais étant donné son séjour qui compte, qui lui vaut une croix de guerre, une citation, je pense qu'il y a une intégration particulière pour les gens qui ont suivi ce parcours. Donc il se retrouve Saint-Cyrien, et bon, il fait plusieurs séjours en Indochine, qui le marque beaucoup parce que, bon, il est tout jeune encore, et il a des responsabilités énormes dans le Haut Tonkin, hein, dans le Haut Pays, et en particulier avec des partisans. Et bon, il participe donc à ces opérations à la tête de ses partisans, là. C'est ça, ce sont les fameux GCMA, les groupements de commandos mixtes. Non, il n'était pas dans cela. Non, c'était pas dans cela. Les GCMA sont fondés plus tard. Plus tard, oui. Bon, il y a plusieurs passages et il se retrouve dans les BEP, les bataillons étrangers de parachutistes. Et le BEP qui est deux fois totalement, je dirais, plus que décimé. À l'affaire de Cao Bang. À Cao Bang et à Dien Bien Phu. Mmh. Mais il demande à revenir après Dien Bien Phu. Il n'était pas en Indochine à ce moment-là, parce qu'il estime qu'il y a encore du travail à faire. Et il a raison, d'ailleurs. Bon, voilà, ça, c'est son parcours en Indochine. Mmh. Il récolte moult citations. Hein. Au total, il aura 13 citations. Mmh. Incluant la première, celle de la résistance, et celle d'Indochine et d'Algérie. Alors, il se retrouve en Algérie, il passe à Perpignan, là, au commando, stage de commando, et puis il se retrouve au premier REP, qui a été créé à peu près au début de la guerre d'Algérie. Quoi. Voilà, qui est l'héritier des bataillons étrangers de parachutistes d'Indochine. Voilà. Et Sert sous le colonel Jean-Pierre. Alors, il sert sous le colonel Jean-Pierre. Il est officier de presse de la 10e d'épée pendant la bataille d'Alger. Ouais. Et là, il rencontre beaucoup de journalistes, dont certains viendront témoigner à son procès, d'ailleurs. Il est aussi, pendant, en 59, avec le général Charles, il est sous-chef d'état-major, je crois, de la 10e d'épée, avec Morin, son camarade de toujours, comme chef d'état-major. Donc il n'est pas toujours au premier REP. À un moment, et ça je ne sais pas trop, pas beaucoup de détails, il demande à quitter l'armée. Il estime qu'il a peut-être qu'il est un peu limité, je ne sais pas exactement, mais ça dure pas longtemps. Il demande à réintégrer au bout de quelques mois, et c'est le général Gracieux qui le récupère et qui propose au colonel Guiraud, lieutenant-colonel Guiraud, qui a pris la tête du premier REP après le colonel Dufour et après les problèmes qu'il y a eu au premier REP, c'est-à-dire des capitaines, dont sergents, qui ont refusé de partir en opération à partir du moment où ils disaient si c'est pour donner l'Algérie au FLN, je ne vois pas pourquoi je ferais tuer mes hommes.
Il y avait donc un problème grave au premier REP. Gracieux le propose à Guiraud pour être son adjoint. Son adjoint, oui. Et Guiraud l'accueille avec, dira-t-il, avec plaisir et honneur. Donc il était honoré d'avoir Saint-Marc comme adjoint. Donc il se trouve, je pense que ça date de janvier 61, donc pas tellement longtemps avant la révolte d'Alger. Et voilà, donc il se retrouve adjoint du lieutenant-colonel Guiraud au 1er REP, et au moment du 22 avril, le colonel Guiraud a posé une permission, est en métropole, et Saint-Marc se retrouve donc commandant par intérim du 1er REP. Voilà. Et alors, à ce moment-là, il est contacté par les généraux qui préparent le putsch, comme d'autres chefs de corps un peu partout en Algérie. Alors, il est... le général Schall et le général Zeller sont arrivés le 20 avril. Sont dans une villa qui appartient au groupement de commandos parachutistes de réserve générale du commandant Robin. Le putsch, entre guillemets, mot que récuse aussi bien Schall que Zeller, pour plutôt une révolte ou une... le putsch a été décalé d'un jour. Schall demande d'aller contacter, prendre contact, pour parler français, avec Saint-Marc. Et en fait, c'est le capitaine Bézineau, un des capitaines du 1er REP, en civil, qui arrive au 1er REP et qui vient demander, dire à Saint-Marc que le général Schall est là et souhaite le rencontrer. Donc Saint-Marc, c'est le 21 avril, dans l'après-midi, début d'après-midi, va à Alger, rencontre le général Schall, qui lui pose la question, est-ce que vous êtes, qui lui expose ce qu'il a l'intention de faire, et qui lui demande s'il est d'accord ou pas. Saint-Marc réfléchit, demande si c'est s'il y a des tendances fascistes ou racistes dans le mouvement. Schall, bien entendu, dit non. Et Saint-Marc, après avoir réfléchi, acquiesce. Il retourne à Zeralda. Le régiment continue sa vie, disons, dans sa base arrière, d'entraînement, etc., mais plutôt calme. Et à 5 heures, il convoque ses commandants de compagnie plus son état-major et leur dit « Voilà, j'ai décidé ». D'obéir, de me rallier au général Schall, voilà ce qu'il propose, etc. Et tous les commandants, tous les capitaines, il n'y a pas de commandant, il est le seul à 4 galons, tous les capitaines acquiescent. Et le programme de la prise des points d'Alger, destiné au 1er REP, parce que comme vous le disiez, il y a d'autres unités, le groupement de parachutistes, commando parachutistes de réserve générale du commandant Robin, certains commandos de l'air. 14e et 18e RCP. Pas encore. Si, non, pas encore. Ils ont été prévenus, mais ils vont pas. Ils n'arrivent que plus tard. Ils sont en Constantinois. D'accord. Hein. Ceux qui sont sur Alger, ce sont ceux-là. Hein, et la base aéroportée de Blida. Et tout ça a été préparé, parfaitement d'ailleurs. Et c'est le colonel Godard qui donne les ordres d'opération qui sont transmis à Saint-Marc et est transmis à ses capitaines. Un tel ira au corps d'armée d'Alger, l'autre à la délégation générale, etc. Donc ça se passe comme ça. Et il y a souvent de la comédie je ne dis pas la tragédie, mais dans des choses sérieuses. Le général Saint-Hilier, qui commande la 10e division parachutiste, était de passage, qui est basé à Djidjeli normalement, était de passage à Alger et en a profité pour inspecter le 1er REP dans la journée du 21 et pour inviter le commandant de Saint-Marc et quelques-uns de ses officiers avec leurs épouses à dîner le soir. Donc ils sont invités à dîner chez Saint-Hilier le soir, à Alger. Qui lui n'est pas dans la confidence. Ah non, Saint-Hilier n'est pas dans la confidence. Et donc, Saint-Marc et son épouse, Bézineau et son épouse, qui est Nicole, fille du général Gardy, l'ancien inspecteur Gardy de la Légion étrangère, de la Légion, et puis Borel, je crois,
sont invités et dînent avec Saint-Hilier. Alors, Nicole Gardy-Bézineau, dans des souvenirs inédits, raconte ce dîner, et paraît-il, je ne sais pas si c'est exact, Saint-Hilier à un moment dit à Saint-Marc, en rappelant un certain nombre d'épisodes, dit « Saint-Marc, vous m'en avez fait voir de drôle ». Et Saint-Marc aurait répondu « Et ce n'est pas fini, mon général ». Et oui, parce que le Saint-Hilier en question sera le premier surpris, évidemment, par alors, le déclenchement de l'affaire. Saint-Hilier, qui commande la 10e d'épée, est donc à Alger. Et quand, dans la soirée, dans la nuit du 21 au 22, commencent à être les mouvements du premier REP commencent à être détectés, le général Gambier, qui est commandant en chef, se dit ben, il faut aller voir ce qui se passe. Il part avec Saint-Hilier dans la direction de Zeralda, qui est la base arrière du premier REP, tandis que Vézinet, lui, le commandant du corps d'armée, reste au corps d'armée ou vient au corps d'armée d'Alger. Et Gambier et Vézinet tentent d'arrêter les colonnes du premier REP qui se dirigent vers Alger, par deux voies différentes d'ailleurs, n'y arrivent pas, il y a certains épisodes, et finalement se retrouvent à la délégation générale, ce qu'on appelle le GG, le gouvernement général, à Alger, pour essayer d'empêcher les gens du premier REP d'entrer et de prendre le gouvernement général. Et Gambier s'agite, mais n'arrive pas, les légionnaires passent. Hein. Saint-Hilier, pendant ce temps, va voir au palais d'été le délégué général, qui est Morin, pour voir ce qu'il en est. Il revient au GG, il a réussi quand même à voir Morin, il revient au GG, et là, ils se font arrêter tous les deux par des gens du premier REP, dont le lieutenant Durand-Ruel, qui est une figure assez extraordinaire. Durand-Ruel, c'est un arrière-petit-fils du grand Paul Durand-Ruel, Caléris, qui a découvert et soutenu les impressionnistes. Oui, le collectionneur, oui. Il a coupé avec la tradition familiale pendant un certain temps et s'est engagé dans les légionnaires, et il s'est retrouvé chez les légionnaires para. Et Durand-Ruel, qui voit que Saint-Hilier et Gambier tâchent de partir dans la voiture de Saint-Hilier, tire une balle avec son pistolet dans le pneu, dans la roue arrière de la voiture, et Gambier sort en disant « De mon temps, les généraux, les lieutenants n'arrêtaient pas les généraux ouais. » Durand-Ruel répond « Mais de mon temps, les généraux, de votre temps, les généraux ne bradaient pas l'Empire. Ah. » Bon, alors, Saint-Hilier est arrêté, il est traduit, si je peux dire, devant les généraux Chasles et Zeller, et qui se demandent qu'est-ce qu'ils vont faire de Saint-Hilier, qui bascule, qui dit « mais je vais reprendre le commandement de ma 10e d'épée ». Alors, Chasles et Zeller disent « bon, sortez, on va réfléchir sur votre sort ». Et au passage, d'ailleurs, Zeller dit à Saint-Hilier « Je ne tiendrai pas compte de sentiments pas très favorables que j'ai pour vous », sentiments qui dataient de 44 au corps expéditionnaire français en Italie. Et alors Saint-Hilier revient, c'est comme un petit tribunal, si je peux dire, il dit « Vous serez gardé à vue ». En fait, il va être envoyé comme Gambier à Insala par la suite. Au Sahara, ouais. Et alors, donc, on sait comment le putsch va échouer au cours des heures suivantes. Et alors, le commandant de Saint-Marc se trouve arrêté. Et là, le grand épisode qui fait l'objet de votre ouvrage, c'est le procès qui va suivre, donc, quelques semaines plus tard. Le procès, c'est le 5 juin. Très rapidement. Hein. Oui, c'est très rapide. C'est deux mois, une semaine. C'est le premier procès après celui des généraux Chasles et Zeller. Voilà, ouais. C'est le 5 juin, donc ça fait 60 ans et 3 jours. Ouais. Et le haut tribunal militaire créé par De Gaulle en fonction de l'article 16, dont les membres ont été nommés par De Gaulle, est quasiment le même
que pour les généraux Charles et Zeller, sauf il y a eu un changement, le général Baudet est devenu, qui est un aérien, un général de l'air, est devenu juge, et le procureur général n'est plus Besson, c'est le procureur Reliquet. Alors, le procès va être l'occasion justement d'une mise en avant de la personnalité du commandant de Saint-Marc. Alors, la personnalité de Saint-Marc apparaît d'une part par sa déclaration qui fait date, hein, qui est maintenant un morceau d'anthologie. Un morceau d'anthologie et qui est toujours, auquel on fait toujours référence à juste titre. Et puis, sa personnalité est mise en valeur par les témoins. Et non seulement les témoins de la défense, mais même les témoins charge. Le général Moulet, qui commandait le secteur d'Alger-Sahel, donc responsable du maintien de l'ordre à Alger, qui a été mis en cabane par les putschistes, vient témoigner. Alors, il raconte les faits, bien entendu, mais à la fin, il ne peut s'empêcher de dire qu'il est gêné d'avoir été amené à témoigner pour l'accusation vis-à-vis d'une personnalité telle que Saint-Marc. C'est quand même très, très étonnant. Ensuite, il y a les témoins du temps de la résistance qui parlent de comportement de Saint-Marc pendant la résistance. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est un témoin qui est devenu ecclésiastique, le père Mousset, qui est devenu jésuite, qui dit, qui rappelle qu'à un moment dans le camp, le bruit a circulé que leur statut, le statut de déporté, pouvait être pour certains changé en statut de service du travail obligatoire, qui n'avait rien à voir avec celui de déporté. Saint-Marc a réagi à cela, alors qu'il était déjà dans un état physique terrible, en disant « mais il n'en est pas question ». Donc on voit sa rectitude et sa force morale. Morin, son camarade qui lui arrive plus tard, qui a été déporté aussi, arrive et pendant un certain temps dans ce qu'on appelle le petit camp, avant de passer dans le grand camp, pour les phases, un peu comme aujourd'hui, quoi. On met les gens en attendant pour voir s'il n'y a pas de pandémie et de choses de ce genre-là, avant d'aller dans le... aperçoit Saint-Marc de l'autre côté des barbelés sait qu'il a passé un hiver absolument terrible, et Saint-Marc lui fait un sourire en lui disant « mais on tient le coup », alors qu'il est vraiment dans... Et ça donne à Morin un coup positif extraordinaire au moral. Et même ce qui est notable aussi, c'est que les journalistes de l'époque, évidemment peu favorable à l'entreprise qu'avait été le putsch du 22 avril, les journalistes de l'époque ont plutôt une vision plutôt positive de l'accusé. Tous. Et les plus connus, Eugène Mannoni, correspondant du Monde, qui avait commencé au Parti communiste. Ouais. C'est pas un critère d'extrême droite, a priori. L'Artegui. L'Artegui, bien sûr. Ouais. Comment il s'appelle aussi, un très connu, qui était là-bas. Alors, ils l'ont connu comme officier de presse de la 10e DP. Et ils ont apprécié son honnêteté. Ils ne cherchent pas à faire passer de faux messages, des éléments de langage comme aujourd'hui. Donc, ils l'ont beaucoup apprécié. Ouais. Et ça, c'est intéressant. Alors, y a divers témoignages comme ça. Ce qui est intéressant aussi, c'est l'effet qu'il fait sur le procureur Reliquet. Alors, Reliquet a une carrière classique avant la guerre. C'est le dernier procureur qui a eu la tête d'une femme qui a assassiné son mari avec son amant dans des conditions épouvantables, qui a été condamnée à mort et dont la grâce a été refusée par Auriol. Donc, c'est la dernière femme guillotinée en France. Ah oui. C'est Reliquet qui avait demandé la peine de mort. Ceci étant, c'est quelqu'un de très bien. Quelqu'un de très bien. Il a été à Alger à un moment, à une période difficile, où il y avait des disparitions, de suspects FLN dans des conditions pas claires. Il a cherché à concilier le droit de ces gens et l'honneur de l'armée française, quoi. Il n'a pas...
Et alors, il est choisi pour... il a été nommé à Paris. Il est choisi pour requérir. Il a reçu deux lettres, deux réquisitions, l'une de Mesmer, l'autre de Michelet, demandant 20 ans de détention criminelle. Alors que le général Schall et le général Zeller, pour lequel le procureur Besson avait refusé de demander la peine de mort qui avait été demandée par Mesmer et Michelet, le procureur reliquait dit mais c'est pas possible, 20 ans alors qu'ils ont été condamnés qu'à 15 ans. Schall et Zeller ont eu des circonstances atténuantes. Reliquet dit avec tout ce que j'ai entendu, je ne demanderai que 5 à 10 ans. Ceci étant, le jury condamne à 10 ans, ce qui fait que l'assistance est outrée hein, de ces 10 ans. Non seulement l'assistance, mais un des juges, et pas le moindre, le général Ingold, qui était à l'époque chancelier de l'ordre de la Libération. On ne peut pas faire plus gaulliste. Et Ingold démissionne. Alors de Gaulle lui dit de mettre ça sous raison de santé, mais on le sait maintenant largement, il démissionne du tribunal et de la chancellerie de la Légion d'honneur. Donc il est condamné à 10 ans. Et à la fin du procès, d'ailleurs, il dit « ils n'ont rien compris ». C'est-à-dire que le procès, quand même, s'est attaché aux faits, mais pas au fond. Bah oui. Les questions fondamentales sur les motivations de discipline profondes, vis-à-vis de l'honneur. Des insurgés, oui. Et c'est ça qui marque le plus Saint-Marc et qui marque le plus les gens qui s'intéressent à cette période et à la personnalité de Saint-Marc. C'est Créon et Antigone, quoi. Ouais. Hein. Il est condamné à 10 ans, donc. Il est condamné à 10 ans. Il va sortir de prison au bout de combien alors, de temps? Alors, il sort en décembre, à Noël 64. 64. Donc il a fait 4 ans et demi, quoi. Et alors, mon père, qui est là bien, qui l'a côtoyé pendant ces 4 ans et demi, dès son départ de la prison, écrit dans son journal tout le bien qu'il pense de Saint-Marc en disant que dans le futur, certains ont cherché à se créer une image, etc. Je pense qu'il pense à De Gaulle à ce moment-là. Mais d'autres qui n'ont pas cherché à se créer une image seront les personnes qu'on retiendra. On mettra en avant. Oui. Dans le futur. Et effectivement, la figure de Denois de Saint-Marc aujourd'hui fait l'unanimité. Si elle fait l'unanimité puisque, quand même, il a été élevé à la distinction de Grand Croix de la Légion d'honneur. En 2011, je crois. C'est à l'époque de Sarkozy. Oui, dans la grande cour des Invalides. Des Invalides, c'était une cérémonie extraordinaire. Eh bien, merci beaucoup Bernard Zeller pour cette présentation du commandant Denois de Saint-Marc. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Le procès du commandant de Saint-Marc aux nouvelles éditions latines. Merci. Merci beaucoup.